Célébration de la fête de l'IGNAM 2020 à Cotonou par EMB à la manœuvre Juliette Betty Negba, Guidi affectueusement appelée Beauté Ronde, avocate de la veuve de l'orphelin, la maman des artistes, ambassadrice de la culture béninoise et celle identitaire Marie. Elle est dignement entourée par les enfants Marie du Bénin, cette association dont elle préside destinée et dont la réputation va bien loin au-delà de nos frontières. Ils se sont mobilisés derrière la présidente ce 15 août avec l'observance stricte des gestes barrières contre COVID-19. Démarré par une chanson évocatrice entonnée en chœur par les membres EMB présents, les festivités sont suivies d'une parade des manifestants tout en liesse chantant et dansant la gloire de leur présidente et également de la fête qui les réunit ainsi. Certains tubercules d'igname en main, d'autres les plus jeunes d'ailleurs, mortiers sur la tête et pilons en main également, marquant des arrêts par endroits pour une brève mise en scène, caravane qui sillonne le quartier lieu de résidence de leur bien-aimé présidente. Cela est le signe annonciateur de l'ambiance et de la ferveur qui vont ponctuer l'événement.
Après ces quelques minutes de défoulement, les participants regagnent le domicile point de départ. Il est déjà apprêté un dispositif tant sonore que gastronomique. Déduit par la dimension magnifiquement réussie de l'organisation, le chargé à la communication se saisit du crachoir pour féliciter les uns et les autres. Il ne manque pas de décerner un bravo spécial pour la présidente, symbole du manque de reconnaissance à son égard. Surtout vu son hospitalité légendaire ainsi que l'impressionnant investissement consenti. Le temps pour l'orchestre de mobiliser la troupe et d'installer son armada. Pendant ce temps crépite de l'autre côté, les coups de pilon partent des bras valides pour la traditionnelle ligne pilée sous la supervision d'un groupe de femmes affectées à cette tâche. Le temps ainsi donné offre l'occasion aux participants de passer à la table bien garnie en bouteilles de liqueur pour l'apéro. Dans l'ordre et la discipline, ils rejoignent ensuite, plat en main, la table des mets. Chacun se fera servir le mets de son choix. Passé cette étape de dégustation du consommant savalois, place à la musique tchinkoumen sous la bâche installée au niveau de la devanture. Intense moment de gaieté et d'amusement, cette partie animée par deux poussées de la musique Kung, Metokan et Todegbe, disciple incontesté de Dada Gbekewu, sera riche en démonstrations dans l'art de chanter et de danser. Il y a également l'autre voix de Rossignol qui viendra apporter un cachet enivrant à la fête et m'éveillant plus d'un. Il s'agit de cette dame chanteuse de tchinkoumen aussi, agrandie de son vrai nom d'artiste.
Chupa, jutole,
Yeah.
Papa,
Oh,
La régale, c'en est véritablement un. Tout s'est déroulé comme si on était dans la cité de Soha. Interrogé à la fin pour savoir pourquoi pas ça va lourd, Boteron en donne les raisons. Aussi revient-elle sur les fondements de son combat pour la musique Kong. Il y a beaucoup de cérémonies qu'on doit faire à Savalou avant que la crise puisse avoir lieu là-bas. Et avant que moi, principalement, je me déplace pour aller là-bas fêter la 15 août. Pourquoi? Il y a mon frère, mon roi, Dada Gangéni Aoyo, qui n'est plus parmi nous à l'heure où je parle. C'est un frère ami, un roi, le vrai roi, un roi incomparable. En tout cas, lui et son frère Tofa, c'est des gens que je ne pourrai jamais oublier. Donc, une fois qu'il est parti, il y a des cérémonies qui doivent être faites avant qu'un nouveau roi n'arrive. Mais compte tenu de la situation, de la maladie de Covid, tout ça, les sages de Savalon ont préféré attendre d'abord pour que cette maladie passe, afin de pouvoir faire les cérémonies du roi Dada Gangéni. C'est pourquoi moi aussi j'ai préféré faire la fête chez moi à Cotonou pour ne pas aller au village. Parce que cette fête, j'avais l'habitude de fêter avec mon roi, le roi Dada Gangéni. L'année passée, nous avons fêté la fête de 15 août ensemble. Avec des dates tout ça, c'est lui d'ailleurs qui a fait que j'ai commencé par aller au village. C'était la 15 août. Une fois que ces deux n'y est plus, on attend que tout se passe dans les normes à Savalou avant de commencer par continuer la fête à Savalou. Puisque là, à l'heure où nous parlons, le siège est encore vide. Donc sans les cérémonies du
d'un ancien roi qui n'est plus, on ne peut pas introniser quelqu'un d'autre. Donc nous attendons que toutes ces cérémonies soient faites. Les gens des enfants marqués du Bénin, de Paris, de la diaspora et du Bénin, je ne peux que souhaiter une bonne fête de la 15 août, quand bien même que c'est aujourd'hui la fête, toute la semaine qui viendra, cette fête continue, puisque c'est la fête de l'Assomption, et c'est ça que nous fêtons à Savarin. Donc, je souhaite une bonne fête à tous les Savarois, et qu'ils sachent, à tous les marquis d'ailleurs, parce que tous les Savarois, et qu'ils sachent que nous sommes ensemble et unis et indivisibles. Parce que les marquis sont soudés. Je sais qu'il y a quelques-uns dedans qui veulent arracher ce qui appartient à la capitale des marquis. De force que nous, les Savarois, nous sommes en train de lutter contre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des frères. Hein. Nous sommes tous des frères. Du moment où nous tous nous disons, mais laissez à César ce qui appartient à César. On ne leur dit pas de ne pas jouer. Puisque eux, ils jouent mieux encore que les fonds qui jouent entre Tchengouin. Parce qu'ils jouent en parlant le mari. Mais les autres veulent chanter, faire le Tchengouin. Mais la seule chose qui les trahit, c'est parce qu'ils ne veulent pas parler le mari. Donc on ne peut que dire que nous sommes unis. Et on leur a demandé de respecter ce qui appartient à César. Je vais mettre cette chose à César. Parce que c'est de ça que nous parlons. Et de reconnaître le fondateur, le Dieu, le génie, l'immortel, Addison, de reconnaître et la guerre finira. C'est tout. Voilà.